captures our soul. We live for the music. Your suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Merci Pined pour cet avertissement. Maintes fois répété, mais ô combien nécessaire, hein, faut-il le rappeler chaque soir. Partie 4. Partie 4 de cet excellent, hein, qui s'avère être un excellent jeu. Resident Evil Village, Resident Evil 8. Nous en étions exactement arrivés au second donjon. J'avais fait la petite save ici même. Et il y a eu une petite cinématique, je vous resitue. La petite poupée m'a parlé en me disant qu'elle pourrait remplacer Rose. Certainement pas. Et on a perdu nos armes. Et alors là, du coup, il va y avoir une énigme. Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. J'ai pas encore inspecté. On a vraiment hier sauvegardé. On s'est quitté là-dessus. Hein. Alors déjà, j'aime beaucoup. Hein. Moi, tout ce qui est taxidermie et autres faiseurs de poupées ventriloques, ce sont des petits thèmes qui me sont chers. Hein. Est-il utile de le préciser? On dirait la machine à coudre que ma grand-mère avait. Bon, ça restera entre nous. Ok, bon, allez, on va aller directement voir la table, hein, parce que bien sûr, c'est là que ça va se passer. Interagir, ok, on a des points d'interaction. On va plutôt regarder tout de suite la petite photo. Hein? C'est la photo. Mais la photo de Mia? D'accord. Et derrière? Rien du tout. Is this a doll of Mia? Examinez l'œil gauche. D'accord. On peut ouvrir la bouche. Il y a quelque chose. On va pouvoir placer quelque chose. Ok. Il y a quelque chose dans sa bouche, mais il faudrait un outil pour le saisir. Ah, c'est très bien. J'adore ce genre de petites énigmes. Allez, on va démantibuler un petit peu tout ça. On va regarder ce qui se passe au niveau des seins. Pareil, il va falloir qu'on... Il faudrait quelque chose pour couper les bandages. Ok. D'accord. Au niveau du bras. Il faut quelque chose pour enlever le bras? Peut-être pas quand même. Allez. J'utilise le stick pour enlever la bague. Ah voilà. Ok. On a une bague couverte de sang. On va la regarder tout de suite. Bague couverte de sang. Une bague trouvée sur le doigt d'un mannequin. Il est taché de sang. Bon. On va regarder la jambe gauche. Examiner. Allez, on va démantibuler ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu dans ton panier, petite jambe? Une clé de remontage. Très bien. Ça me plaît, hein. Ça, c'est tout à fait le style d'énigme que j'adore. Il y a un petit côté saut, il y a un petit côté... Moi, je suis très film d'horreur. Hein. Donc évidemment, ça me parle. Alors, j'aime beaucoup. Examiner le bras. Bon, on va aller tout de suite à la jointure. Retirer le bras. Voilà, qu'as-tu donc? Alors, qu'est-ce que c'est? Attendez, je veux revoir. Ce sont des yeux, hein, fermés, hein. Ok. On va interagir encore au niveau de ça. On va aller à la jointure, bien sûr. Là, il faut faire comme ceci. Clé en argent. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de choper quelque chose là dans tout ce petit dans le fourbi là? Imagine. De toute façon, on ne peut pas ressortir. Voilà, il va nous falloir un code. Ok. Ok. Et là, j'imagine que la porte. Ah si, on a une clé de remontage trouvée dans la jambe du mannequin, elle semble familière.
On a une bague couverte de sang. J'ai envie de l'inspecter. La bague couverte de sang. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? Non, il y a juste un petit joyau dessus. Ok. Bon, bah là, on va utiliser la clé. Très bien. Très très bien qu'ils aient allié un peu d'action, mais pas trop pour l'instant. J'ai peur que la fin soit que de l'action, malheureusement, de ce que j'ai entendu dans les podcasts. Mais là, j'aime beaucoup cette phase. Phase d'observation et d'énigmes. Ça me plaît beaucoup. En 2021. Alors. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Ah oui, non, mais j'étais pas encore dessus. Hein. Ok, là on a des espèces de dossiers. Mais on ne peut pas interagir. Peut faire couler de l'eau. Bague couverte de sang, on peut la nettoyer. La fais pas tomber, hein. On le conduit. C'est une alliance. Bon. On va la checker. Ah, on a un code. 05 29 11. Je crois qu'on... On essaye. Attends, 05, 20. Oui, ça peut être ça. 05. 29. 11. Au moins, on peut se barrer. J'ai pas vu qu'on pouvait passer par là aussi. Changer de symbole. C'est des yeux fermés, hein. Non, je pense qu'on va nous révéler. On va nous révéler les. De toute façon, il nous en manque un. On va nous révéler les yeux. Enfin, les symboles. Ça va se. Ça... Attendez, c'était lequel? Oh, je peux plus interagir? Non, c'était là, pardon. C'est curieux quand même, cette histoire. Je peux rien faire de plus là, avec ça? Non, il veut pas. Hein. Je vais essayer de rouvrir un petit peu sa bouche là, à ma... Bon, c'est pas Mia, hein, évidemment. Si je... Avec la clé en argent, je peux rien faire. Ouais, il faudra un outil, d'accord. J'essaye à tout hasard avec un autre objet, mais j'y crois pas. Hein. Ouais, non, non, la clé de remontage, une clé de remontage trouvée dans la jambe du mannequin, elle semble familière. Non. L'alliance non plus, non, non. Non, non, il me faut une pince à épiler, il me faut quelque chose. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu sur nos pas, peut-être. Déjà, je sauvegarde cette petite progression. Je retourne un tout petit peu vite fait dans le labo pour voir si j'ai rien oublié. C'est tellement détaillé, il y a tellement de choses. Pense qu'ici ça ne servait qu'à. Bon, on pourra revenir par la porte. Ici ça ne servait qu'à nettoyer la bague. Hein. Pas envie d'oublier quelque chose. Hein, d'essentiel. On est bien d'accord. Ah, c'est curieux cette petite boîte quand même. Normalement on peut les ouvrir ces boîtes. Et puis là, j'ai plus vraiment plus d'inventaire, hein, j'ai plus rien. Ok. Bon. Pas de regret. On se barre. Et la photo nous donne un indice? Non, que dalle. Hein. Et là, on peut pas interagir, hein, évidemment. On peut rien couper avec la clé en argent. Non, non, non. Non, il va nous faire une paire de ciseaux, quelque chose. Tiens, il y a une armoire là. Je suis pas allé voir. On peut pas. Peut pas interagir. Ok, donc sans rancune, on se casse.
Et voilà. On est sur le bon chemin. Tout à l'heure, cette porte-là, enfin tout à l'heure, hier, cette porte-là ne s'ouvrait pas. Espèce de débarras là. Rien du tout, pardon. Encore cette petite boîte à musique, hein. Elle était chez nous, ça. Hein. Why is this here? Ouais. Bah, clé de remontage. Permuter des cylindres. Alors, sélectionner les cylindres. Et permuter. Alors, déjà, on va la jouer. Ouais, ok. Ça ne fonctionne pas, quelque chose n'est pas à sa place. Ok. On va permuter. Je le fais complètement au pif, on va voir ce que ça donne. Le premier a l'air pas trop mal. Ah, peut-être qu'il faudrait avoir une petite notice. J'ai un bol de fou. Ça vous plaît? La pince. Oh. Oui, c'est moi qui Alors l'ai ça, c'est fait. ce qu'on appelle. Bon, vous allez trouver que j'ai de la chance, mais en fait non. C'est de réduire les probabilités. C'est une forme de mentalisme, si vous voulez. Hein. Je suis comme Clément Fraise, moi. Pas peu fier. Qu'est-ce que t'en penses le chien là, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oula! Ah ouais, pas mal. L'idée était pas mal. Bon, la pince épilée, on sait à quoi va nous servir. La pincette, pardon. Une pincette trouvée dans la boîte à musique. Morceau de pellicule. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas me dire? Alors, morceau de pellicule, qu'est-ce qu'on y voit? Mais c'est notre, c'est le jouet de Rose. Par contre, je vois pas à quoi ça peut nous servir. Ça coupe pas, ça. Hein. On a l'alliance, on a le morceau de pellicule. Bon, la clé en argent, on l'a déjà utilisée. Et quelque chose, on n'a pas interrogé sur le bras gauche, mais il n'y a rien. On peut pas couper quelque chose avec un morceau de pellicule, si? Non. Ah là là, je. La pilaïne ne me propose absolument rien. Donc, l'interaction se fera d'elle-même. Au niveau de la jambe, là, on n'a rien oublié. Attendez, je réfléchis. À quoi pourrait me servir la pellicule? Ici, il nous manque quelque chose. Il va falloir mettre quelque chose ici. Oh non, l'alliance. Pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, on fait encore joujou avec sa poupée dans la cave. Alors, je suis très déçu, Nyctaras. Bon, déjà, le chien va te saluer quand même, parce que bon, la politesse. Salut, s'il te plaît. Je suis très déçu parce que tu as tout loupé là. C'est fantastique. Je suis peine. Voilà, je suis peine. Tu as tout loupé. C'est fantastique. Là, l'énigme est vraiment très très bien. Toi qui es un grand amateur d'énigmes, là, tu as loupé. Enfin, t'as pas loupé parce qu'on n'a pas terminé. Là, on a un morceau de pellicule.
Alors, où je vais pouvoir m'en servir? Il y avait un gros orage dehors, sorry. Je suis du genre à rester collé devant. Ah, alors tu es pardonné. Tu es pardonné. Ça va être... C'est toujours fermé, hein. Bon, là, de toute façon, on a tout fait, hein. Là, on a récupéré, hein. Tu verras sur la VOD, si t'as le courage. Alors, conte-moi l'histoire de cette énigme. Eh bien, nous avons trouvé le corps. Bon, bah, je te resitue vite fait. Parce que moi-même, ça va m'aider. On va y retourner. C'est très très bien, foutu. Enfin, l'énigme est bonne. On a trouvé un mannequin qui ressemble à celui de Mia. Il y a la photo là d'ailleurs de Mia hein, qu'on peut voir, voilà. On doit couper le bandage avec quelque chose. Dans la bouche, on a trouvé un film qui est ici. Alors je ne sais pas quoi en faire. Ce film, on a réussi à l'avoir avec des pincettes. Et les pincettes, on les a trouvées dans une boîte à musique qui était dans la pièce à côté. On a nettoyé une bague. Enfin, on a nettoyé une bague qui s'est révélée être une alliance, qui nous a donné un code. Et le code nous a permis d'ouvrir la porte. Voilà. Et la porte nous a permis d'aller à la boîte à musique, qui nous a permis d'avoir la pincette. Voilà. Après, au niveau du mannequin, ce qui nous reste, c'est ce petit bras. C'est un petit bras où il y a trois yeux fermés. Alors à mon avis, ça va s'ouvrir à un moment donné, ça va nous donner un code. Code qui lui-même... Non, je te redis tout, hein. Code qui lui-même va nous permettre de... À mon avis, ça va se passer ici. Hein. On peut interagir et tourner les trucs. Pour l'instant, je ne l'ai pas, le code. Hein. Ok? C'est une énigme à tiroir, là. Exactement. Bon, par contre, ce que je viens de me rendre compte... C'est que j'ai ouvert la bouche, mais j'ai pas fait l'œil gauche. Qu'est-ce que je peux faire? Ah! C'est un corbeau dans un triangle. Ok. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit sur ça? Ok, il y en a un, c'est un corbeau avec un triangle. L'autre, c'est ses trois yeux fermés. Ok. Donc là, on est d'accord que c'est bon, hein. Parce que là, on peut pas faire le corbeau à triangle. Voilà, donc c'est trois yeux fermés. Bah, je suis déjà dessus, hein, corbeau avec triangle. Hein. Ah, ça dépend, il tournait la tête vers la gauche ou vers la droite? C'est plutôt ça, hein. Je crois. Hein. De toute façon, il nous manque un blason, donc on aura le temps de changer. Hein. Je recheck un coup d'œil, mais. Oui, c'est celui-ci. Il regarde vers la droite. Bon, ça, en tout cas, yes, il tournait vers la droite. Ouais, donc c'est bien ça. Par contre, voilà, maintenant, on en est là. Bon, la clé en argent, ça nous a permis. On a trouvé une clé en argent dans une des boîtes. Ça nous a permis de venir ici, en grosso merdo. Et on a nettoyé la bague ici. Là, on peut pas ouvrir. Voilà, là, je t'ai tout résumé. Ici, j'ai ouvert, mais il n'y a rien du tout. Voilà, ça me permet de faire un petit check. Voilà où on en est. Et du coup, on a trouvé. Voilà où on en est. On a trouvé de la pellicule. Il va falloir qu'on s'en serve. Et je ne sais pas où. Et avec quoi? Alors je regarde là si j'ai ouvert. Non, là on peut pas. Donc là s'il y a eu un petit moment sympathique, c'est le tableau qui s'est décroché. Et du coup, ça fait. Bah, la pendue. Comme si elle était pendue. En même temps, elle est enceinte. On a eu un message aussi dans la radio qui nous disait que Mia ne pouvait pas nous révéler certaines choses. Elle ne pouvait pas nous faire ça à nous, Ethan. Alors voilà, elle a un secret, il y a quelque chose. Mais je répète, c'est dommage que t'aies loupé parce que c'était vraiment très très bien. Ça valait bien un voire deux orages qu'on vient de vivre.
Ah ben on peut venir ici maintenant. Oh ben voilà, regardez, il y a une machine pour regarder un film. On va regarder ça tout de suite. Hein. Lampe Ikea ? Eh oui, mais pas verte. Lampe Ikea, mais pas verte. C'est tout comme. C'est grosso merdo la même chose. Souvenir de famille. Le meilleur ami de Rose, elle aime beaucoup cette histoire. Ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage offert par grand-mère. La preuve de l'amour éternel d'Ethan pour moi. Allez, on va regarder. On va mettre le morceau de pellicule. Alors ça, c'est à la fin, ça. Allez, on remet dans l'ordre. Alors, attendez. Le meilleur ami de Rose. Eh ben, c'est sa peluche. Elle aime beaucoup cette histoire. Moi, je l'ai fait un par un. J'en ai rien à foutre. Voilà. Ce que l'on se le plus pour nous, bon bah c'est Rose. C'est déjà bon. Un cadeau de mariage offert par grand-mère. Ah, c'est peut-être l'alliance. Ah bah non, bah c'est bon. C'est cette espèce de boîte à musique. Ok. Et après, la preuve de l'éternel de l'amour éternel d'Ethan pour moi, bah c'est bon, c'est l'alliance. Hein. On est bon là. Et bah c'est bon. Bon, je vais pas intervertir les deux, c'est pas ça. Hein. Évidemment que c'est la bague. Pas fait d'erreur. Pas ouf les énigmes à démarre le producteur carré. Ah oui, pardon. Démarrer le projecteur, merci. Merci bien. T'es venu m'humilier en direct en fait, c'est ça. Je saurais m'en souvenir. Non merci. Allez, c'est parti. Bon. Oh bah très bien. Ok. Alors par contre je t'interdis de dire que les énigmes sont pas ouf. Toi t'arrives quand c'est la fin de l'énigme. Je t'assure que c'était très très bien. Non. Je ne laisserai pas dire ce genre de choses sur mon stream. Hein. C'était très très bien. Ça on l'avait déjà lu. Hein. C'était un truc par rapport à Nick Taras. Alcooloïde des plantes de montagne. Voilà, ça c'est un livre pour toi ça. Je t'humilie seulement devant nous deux. Mais pas du tout. Il y a des viewers. Sinon je n'aurais rien dit. Qu'est-ce que tu crois? Il y a énormément de gens qui nous regardent. Il y a tout le gratin de Twitch qui est là. Ah bah voilà, voilà les ciseaux. Très bien. Et bah on va s'en servir déjà tout de suite. Et voilà. J'espère qu'on les a toujours. On peut servir du téléphone maintenant. Le Genepi. Non, pas des nuits. Tu sais bien que hier, on nous a retiré nos armes. Ah bah. C'est encore le mec d'Orange. C'est mon rendez-vous téléphonique avec le mec d'Orange. Ça marche pas là-bas, ça marche. Listen to me. I didn't want to keep it from you. Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. Il fallait que je le fasse. Elle est pas morte. Il s'est passé quelque chose. Chris Redfield est au courant. Il y a que nous qui sommes dans la pénombre. Attendez, on est où là? Non, mais on retourne. Attendez, avant de faire ça, on retourne au. On retourne au mannequin. J'ai un truc à couper, moi. Alors peut-être qu'on pouvait y réaccéder, mais.
certainement d'ailleurs. Con comme je suis. Non, non. Oh, bah, eh, on vient de la voir. C'était Mia. Il trottine, hein. Alors peut-être que The Losers ne sera pas là ce soir parce que peut-être qu'on a pris de l'avance sur lui. C'est bien possible. Quoi ? Ça fait un peu peur. Allez, les ciseaux. Allez, montre-nous tes seins. Médaillon en laiton. Moi aussi j'adore. Oui. Non non mais la Mia elle est pas morte hein, c'est bon. On s'en doutait un petit peu. Mais avant de faire tout ça, on va aller placer ce médaillon là. Et voilà. Alors, est-ce qu'on fait bien de faire ça, de se barrer tout de suite? Maintenant, je suis curieux de cette salle-là. Allez, on y retourne. Bah oui. J'ai envie de savoir. Hein, vous, toi aussi, j'imagine, Nictaras. Vous aussi, vous qui nous regardez. Vous êtes curieux. Vous voulez savoir ce qu'il y avait derrière le petit passage en mousse. On a tous envie de savoir maintenant. Parce que là... Ah, ah non, on est juste de l'autre côté. On dirait qu'il manque quelque chose. Ah, il manque... c'est le contour d'un bambin. Bon, vous inquiétez pas, hein. Tout temps perdu ici et du temps de gagner après. Hein. Là, on va déverrouiller. Ok, bon. Non, bon, au moins comme ça, c'est fait. Évidemment. Allez. Vite fait, je fais une petite save, comme ça, ça... Je sais pas pourquoi. Un petit coup de flip. La petite sauvegarde du pauvre. De celui qui a peur. Pour être sûr de pas avoir tout à refaire. Allez, c'est parti. On s'enfonce. La pénombre. N'aie pas peur. Enfin, n'ayez pas peur, je suis là. Alors, c'est le puits qu'on a vu à l'instant sur le film. Ouais, comme un damné. Alors, clé du tableau électrique. Très bien. Sympa. Bon, bah on remonte. Je sens le jumpscare. C'est oui, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Elle aurait beaucoup apprécié. Bon, il y a une petite sauvegarde. Bon, on... Ah oui, ça a changé d'ambiance. Quel est le chemin le plus court pour aller au tableau électrique?
Bah c'est de repasser par le par ici. Ah il veut plus. Évidemment. It's only a dream, it's only a dream, it's only a dream, it's only a dream, it's only a dream. T'as vu, je prends pas tes commentaires à la légère, hein. Je lis tout. Oula oula, non 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 non. Allez, on y va. Ah, le fœtus de l'horreur. Clé du tableau électrique. Relief d'un enfant. Nom de Dieu. Ah oui, c'est efficace. Et puis l'espèce de fœtus dégueu là. Hein ? Tout rampant. Allez, on va vite mettre le relief d'un enfant. Je vais lire vite fait la description. Relief d'un enfant, un relief trouvé dans le tableau électrique de l'ascenseur. Il représente un enfant, oui. Ah oui, le fait de ne pas le voir, c'est génial. Ah non, mais le jeu me surprend, là. Après une phase d'action, un petit peu d'horreur plus basique, mais tout aussi efficace. Ok, une petite cuisine. Et puis l'idée du fœtus, c'est... Forcément, ça touche tout le monde. Bon, petit papier décrépit. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le chien, depuis tout à l'heure, là? Ça te plaît? Oui, ça a l'air de te plaire. Par contre, jamais je n'y jouerai seul. Je suis trop couard. Ah oui? Non, moi, ça va. Je regrette même de pas le faire en VR. Là en VR, tu te chies vraiment dessus. Hein. Même Resident Evil 7, là, vous m'avez vu y jouer comme ça. Ok, on va pouvoir se cacher. Vous m'avez vu y jouer là comme ça, c'est sympa en stream. Mais je peux t'assurer que quand tu joues en VR et que t'es dans la maison, ça n'a strictement rien à voir. Tous tes sens sont feintés. Sont leurrés. Ils croient vraiment que t'es dans la maison. Je peux t'assurer que ça fout les jetons. Je suis vraiment chié dessus, hein, sur Resident Evil 7. Alors celui-ci, là, ce passage-là, par exemple, ça va être moins efficace quand je vais me le refaire en VR, parce que je connaîtrai déjà, mais ça risque d'être pas mal. Fusible. Évidemment. Non, 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 il n'y a jamais eu d'accident parce qu'ils font quand même en sorte de... Ils pourraient, hein. Je pense qu'ils pourraient vraiment aller loin. Mais ils font attention. J'ai remarqué. J'ai remarqué que... Qu'ils font attention. De pas aller trop loin. Mais jusqu'à quand? Bon, là on a des fusibles, mais pour aller où? Au tableau électrique? Parce que pour l'instant... Bon, c'est vrai que le jeu l'a fait très photoréaliste. Hein. Mais quand on y joue en VR, la dalle n'étant pas comme un écran 4K, bon, la suspension consentie d'incrédulité est... Oh putain!
Oh là 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 là. Mon Dieu. Attendez, où sommes-nous là? Mon Dieu. Ok. Je dois aller à droite. Ah non, mais oui, oui, là c'est une séquence qui est très très bonne. Attendez, attendez, attendez. Je continue, je tourne à droite. Non mais là je veux pas redescendre. Non non, là on retourne dans la chambre. Non non, moi je veux aller par là. Merde, comment on fait? Attendez, parce que là ça m'a perturbé là le l'histoire du gamin. Là je peux pas réouvrir là. Ah si. Ah c'est efficace. Allez les fusibles on se barre. Allez. Non, 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 non. Allez. Oh putain. Oh mon Dieu. Ah, c'était pas mal, hein. Là, c'était au niveau de visage, là. Là, c'était du niveau de visage, hein. C'était pas mal, là. Ça nous a plu, hein. Ah, même aussi, c'est ce que j'attends. Là, je suis agréablement surpris. Hein. Je pensais pas qu'ils iraient pas aussi loin, mais cinématique, pardon. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Ok. Try and find me. Bon, on va monter, hein. Ouais, c'est très très bien foutu, ouais. Elle est là. Oh.
Bon. On va essayer de la retrouver. Évidemment, on ne peut pas ressortir. Elle est là. Bon, c'est là. Elle est là. Things right. What? Good. I need to get out of this place. Ok, on a récupéré. On va interagir. On a récupéré la clé. Pièce combinée avec la clé à 4L. Clé fœtus à 4L. Bon, du coup, c'était pas un, c'est bien, ça change. C'était pas un manoir, enfin c'était une autre zone, mais cette fois-ci horrifique, très très bien. Et là, du coup, on a trouvé le deuxième bocal et on peut repartir. Eh ben, dis donc, je veux juste regarder dans le hall d'entrée, il y a quelque chose qu'on n'a pas checké. Eh ben oui. Oh, t'es con, Angie. On va pouvoir la revendre. C'est bon, on a tout. Eh ben bravo, oui, là... Non mais c'est bien, on n'a pas un deuxième donjon qui ressemble au premier avec des fights. Ça me plaît beaucoup. Là, il y avait un petit côté visage. Alors, tu te souviens que... Bybon Gaberang nous a dit qu'il y avait quelque chose. Hein. Il nous a dit recule, reviens à l'entrée, il y avait quelque chose. Qu'on devait louper, hein. Il avait dit à gauche. Mais comme il confond sa gauche et sa droite, moi je me dis. Yes, à gauche de la maison, disait-il, oui. En regardant la VOD, j'ai gardé ça en tête. Et je me suis dit que c'était peut-être juste là. Ah, voilà. Il y a un collectif. Ah, il va falloir prendre une petite balle de flingue. Par contre. Ok. Merci, Bad Boy Gamerang. Bad Boy Gamerang, The Losers. Pourquoi je l'appelle toujours Bad Boy Gamerang? Parce qu'il me manque, Bad Boy Gamerang. On le voit plus. Si tu nous écoutes, reviens. Reviens. Non, il reviendra. Et puis même parfois, il est peut-être là en ligne et puis il nous dit pas. Qui sait? Beaucoup de gens qui regardent Twitch sans chatter. Moi, véritablement, j'en fais partie. Hein, je ne chatte jamais. Ou juste pour dire bonjour.
Bon, et ben c'était un très très bon, très très bonne seconde zone, hein. Mais on a failli repartir sans Angie, qui est. Elle est où? Elle doit être dans mes trésors. Voilà, Angie, l'abominable poupée de Donna. Elle ne bouge plus. Non, c'était très très bon. Passage qui m'a beaucoup plu. As-tu vu mon beau t-shirt? Hein? Dario Argento? Tu l'as peut-être déjà vu celui-ci, remarque. J'aime bien cette pâtisserie. Ouais, j'aime bien cette pâtisserie. Pourquoi tu dis que c'est une pâtisserie? C'est pas une pâtisserie, c'est un t-shirt. Ah, parce qu'il y a une pâtisserie qui doit s'appeler Opéra. Te connaissant maintenant, ça y est, je. Je suis sûr qu'il y a une pâtisserie qui doit s'appeler comme ça. Ah, t'as vu aucun argento? Ah, ben là, il faut y remédier dès ce soir. Tu commences par regarder Phénoména. Ou Suspiria. Ou Inferno. Allez, c'est bon. Bah, le pauvre Dario Argento, tous ses films des années 80 sont fantastiques. Et puis après, bah, ces cinq derniers films, c'est de la merde, hein, faut dire ce qui est. Moi, j'en ai quelques-uns parce que je collectionne. Mais tout ce qu'il a fait avant, c'est du chef-d'œuvre. Et puis après, bah, il a perdu. Il est plus en phase avec l'époque. Malheureux à dire, mais. C'est ce qui s'est passé. Suspiria, tu l'as vu? Mais t'as vu le remake ou t'as vu l'original? Le remake est pas mal. C'est un bon film d'horreur. On est où là? On n'est pas ressorti par le même endroit, hein. On n'a pas eu le trésor de Beneviento. Il y a encore. Et oh! Et il meurt pas là? Attendez, attends, 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 attends. J'ai un truc que je veux faire depuis longtemps. Je crois que j'ai des mines qui se posent au sol. Grenade explosive, non? J'ai pas des mines? Non, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Plus de balles. Ah, il me faut tout, hein. Eh merde. Putain, le couteau, ça sert à rien, hein. Ouais, ils sont coriaces. J'ai préféré me les faire parce qu'il me faut des sous, hein. Par contre, le coup d'avoir vendu le pistolet, je suis pas sûr que ça a été une bonne affaire hier. Hein. Il était bien upgradé, j'ai l'impression qu'il était moins bien. Alors attends. Là, on est là. Mais je suis désolé, mais moi j'ai quand même ce sentiment. Bon, déjà, on va aller dans la petite baraque. Là, voilà, il y avait une mine. Voilà, on aurait dû l'utiliser là. Et on aurait dû se barricader. Bon, bon, bravo. On a un coup. Bon, il va être tout seul lui du coup. Oh putain, un nouveau fusil à pompe. Ah bah bravo. Ouais bah viens toi. On va bien t'accueillir. Bon bah c'est bon, on a tout dans la pièce, dans la baraque là. Ouais, c'est bleu. Allez, on ressort. Par contre, le coup du trésor là. Ah, mais par contre, on a la gâchette beaucoup plus sensible là. Hein. Bon, très bien.
Ouais, on a changé d'arme. Mais du coup, je suis pas certain que ça a été une bonne affaire. J'ai regardé vite, j'ai mis pause sur les statistiques. Et j'ai eu le sentiment que notre arme était mieux optimisée l'autre. Mais bon. Peut-être qu'une impression. Et voilà, interagir. Clé du fœtus, non. Non, il faut qu'on utilise le bocal, non? Non, faut qu'on utilise la poupée. Elle est où cette petite coquine? Oui, oui, Angie. Mais je peux utiliser que les objets clés. Ah mon dieu. En plus, on n'a rien oublié. Hein. Parce que regarde, notre Angie, elle est dans les trésors. Elle n'est pas dans les objets clés. On peut pas l'utiliser. Peut-être que ça sera quelque chose plus tard. Non, mais le trésor est pas dans la chapelle à côté. Bah regarde, avant c'était pas marqué interagir ici. Hein. Non, non, c'est pile là où on est, hein, regarde. Tu vois? Non, 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 c'est la chapelle, c'est le donjon dont on vient. Non, non, avant il n'y avait pas de bouton interagir ici, on pouvait juste lire le nom. Aïe, aïe, on a peut-être loupé un truc. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors attends. On n'a pas regardé Angie. Il y a un truc à faire. Malin comme je suis. Déjà, on regarde sa culotte. C'est sûr. Ouais, il manque une partie du nom. On peut rien faire. C'est dommage. J'étais persuadé là. Non, non, on peut rien faire. On peut juste la revendre, quoi. C'est un trésor. Ah, oh, mais là. Là, ça m'agace. Bon, bah écoute, hein. Là, j'ai pas d'idée. Peut-être qu'on pourra plus tard. J'espère. J'espère, j'espère. Ah, une boule, soleil et lune. Ça, c'est pour les petits labyrinthes de... Orshine, il s'appelle. Je sais plus. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite changer de fusil à pompe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, si je l'examine, il a une puissance de 720 hein, et une capacité de 9 balles. C'est ce qui m'intéresse le plus. 720, 9 balles. Et celui-ci, il a une puissance de 760. Il a 4 balles. Mais bon, on va l'upgrader bientôt. Donc on va mettre les raccourcis. On va le changer avec celui-là. Oh merde, il a... Mais... Putain, je suis con. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle était déjà dans les nouveaux. Il avait... Automatiquement, il s'est mis dans mes raccourcis. C'est pas très cool, hein, de leur part. Allez hop. Ornstein. Nordstein. Il y avait un truc dans... Il y avait Nord dedans. Je crois. Hein. Je crois. Là j'ai l'impression de gueuler là. Vous me dites si je gueule. Hein. Allez, on se refait un soin.
On s'en fait deux même. Allez hop, c'est bon. Alors c'est très sympathique de leur part de me changer mes armes dans mes raccourcis, mais là du coup ça m'a mis dans la panade. C'est à moi de le faire. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y avait ici? On est déjà venu, hein, y a rien du tout. Non, on n'est jamais venu. Et ben voilà. Orstein, l'autre. Le type au château. Non, celui qui conçoit, c'est... Heisenberg, c'est le méchant. C'est le quatrième boss, on va dire. Et Einstein, c'est le mec qui conçoit ces petits labyrinthes. Allez, allez, où ma boule? Ouais, on va y aller tout doux. Ah oui, d'accord. Voilà, là on y va. Trop tard. C'est pas dit. Ah, c'est chaud chaud. C'est chaud chaud quand même là. Oui, tout doux. Je suis pas sûr que ce soit passionnant à regarder. Bon. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Allez, crâne noir de Jaïs. Oui, le virage était pas mal. Merci. T'as plus le chien? Hein? Ouais. Ça lui a plu. Qu'est-ce que... T'as vu, il me montre que je peux voir quelque chose, mais en fait, je crois que c'est de l'autre côté. C'est rigolo, ça. Il y a des petits bugs comme ça. Clé du luthier. Ok. Petite save. Pour l'amour de la France. Ça, c'était une petite save pour l'amour de la France. Ah, on peut lire quelque chose. Oh là, mais oui. 10 novembre, Mademoiselle Donna est devenue... Alors, Mademoiselle Donna, c'était celle qu'on a vue sur le tableau avec la petite poupée. Hein. Mademoiselle Donna est devenue la fille adoptive de Mère Miranda. Durant toutes mes années ici, je n'ai jamais été aussi heureux. Depuis sa tendre enfance, elle a toujours eu peur des autres. Peut-être à cause de la cicatrice qu'elle porte sur le visage. À la mort de ses parents, elle s'est renfermée sur elle-même, ne parlant plus qu'à Angie, la poupée qui lui avait fabriqué son père. Je serai éternellement reconnaissant envers Mère Miranda pour son infinie compassion. Mademoiselle Donna a l'air heureuse, c'est sûrement mon imagination, mais même sa poupée Angie semble plus vivante que d'habitude. Aujourd'hui, elle est venue au jardin et s'est servie d'Angie pour discuter avec moi. Nous avons eu une belle conversation. Elle n'a cessé de dire que sa mère lui avait fait don d'un pouvoir. Mademoiselle Donna m'a donné des fleurs jaunes qu'elle m'a demandé de planter dans le jardin. Je les ai plantées devant la tombe de Mademoiselle Claudia. Je ne sais pas si c'est à cause du parfum de ces fleurs, mais j'étais pris de vertige. Puis, comme dans un rêve, j'ai vu ma pauvre femme défunte. J'ai parlé de tout cela à Mademoiselle Donna, qui semblait pour le moins ravie. Elle m'a alors invité à me rendre chez elle demain. Elle a dit que je pourrais revoir ma femme encore une fois. Je me demande bien ce qu'elle entend par là, mais son intention me touche. D'accord. Très bien. Très 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 bien. Bon, on a tout fait là ici. Hein. Alors là, on peut faire quelque chose maintenant. Hein. Parce qu'en regardant la VOD, j'ai vu qu'on avait le volant. Le volant de puits. Les petits puits que t'aimes bien. Sauf que celui-là, il a pas de toit. Donc tu vas moins bien l'aimer. Madalena tête. Déjà j'ai envie de... Ok, ça c'est bon. Elle est où Madalena tête? Ah, c'est un trésor aussi.
Partie d'une poupée, inspirée d'une longue d'une légende locale, objet de valeur combinable. Ok. Ok. Et quand on est comme ça là, on peut... Ah, il reste encore quelque chose dans la maison, hein. Je suis désolé. Je vais être un peu pointilleux, hein, mais... J'ai plus rien. Et je veux absolument tout prendre. Ah oui, il y a quelque chose là. Ah bah très bien, attends, 6 balles de pompe. Ça se refuse pas. Et puis un petit peu de fluide là, non? Photo d'un oiseau étrange. Il est mystérieux tout ça. Hein? T'as vu ça? Nick Taras? Alors pour ceux qui viennent d'arriver, Nick Taras, c'est le nom de mon ami modérateur. Hein. C'est pas moi qui m'amuse à dire Nick Taras. Hein. Ça ne serait pas permis. Elle est où la photo? Voilà. Regarde-moi ça. Il y a un petit oiseau bleu qu'on pourra pouvoir dégommer. Hein, je crois. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Que dalle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il va falloir qu'on lui tire dessus, lui. Hein. Oui, c'est Twitter. Bien vu. Ah voilà, voilà le Nick Taras que j'aime. Ça c'est bien vu ça. C'est Twitter. Voilà, ça ça me plaît. Là je suis fier. Oula oula, regardez-moi ça. Tiens, l'œil du faucon, en voilà d'autres. Et là, oula oula, et dis donc. Que je l'ai pas vu lui. Ah, c'est un jeu à tiroir. Hein. T'ouvres un truc, t'as une clé, hop, la clé te sert à te faire ça. Là par contre, on va pas se faire baiser. Et non, non, non. Putain, je me suis quand même fait avoir. Allez, c'est bon, c'est bon. Et voilà. On va revoir le duc. Est-ce qu'on peut retourner dans les endroits comme ça? Ouais, on peut. Je regarde vite fait. On a tout fait, de toute façon. Allez. Et ben, on va insérer le cube, hein. Les jambes, hein. C'est les jambes de masse de les jambes de Rose. Bon bah c'est tout. Bon après on a une autre clé, mais bon moi j'irai bien voir le duc. Il était pas là le duc? Ah bah si, il est juste là. Et il tient la poupée dans ses bras, il va nous parler là. Does this look familiar to you? Please do take a look at my new stock. On a du nouveau stock. Bon, moi je pense qu'il faut faire dans l'ordre. Déjà, on va revendre. On revend Angie, hein. La bonne poupée de Donna, elle ne bouge plus. Objet de grande valeur. Madalina, on peut la mettre avec quelque chose, mais on s'en fout, allez. Allez, le crâne noir, on vend. La viande de qualité, on garde. Hein? On... Ah, Miss Angie! Just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Bon. Il a pas l'air très peiné, hein. À l'atelier, qu'est-ce qu'on peut? Non, nous, on a un nouveau shootgun. On va pouvoir augmenter sa puissance à 840. These hands are more dexterous than one might think. Et puis surtout la capacité, hein. Ah, ça nous intéresse drôlement. Le rechargement, on va voir ça après. Ouais, notre flingue, là, malheureusement, j'ai l'impression que l'arme de poing était pas si top. Hein. Ce qu'on peut vendre aussi, pas le flingue, mais... On peut revendre notre fusil à pompe. Hein. Il est au maximum.
Allez, on le vend. Voilà. Et on peut revendre aussi le chargeur grande capacité parce que du coup, on en a plus l'utilité. Genre la détente sensible. Alors qu'est-ce qu'ils nous vendent plus maintenant? Bah ils nous revendent le flingue d'avant et puis bien sûr le fusil qu'on vient de revendre, voilà, tout simplement. On peut fabriquer des mines. Est-ce que ça peut nous être utile, ça, de fabriquer des mines? Certainement. J'en suis pas là, moi. J'ai plutôt envie... j'ai envie de rêver, moi. J'ai envie de vous faire rêver. On va plutôt augmenter le rechargement. Et puis au niveau du fusil... C'est la cadence de tir, ça m'intéresse. One moment, please. Et là, il faut 15 000. Allez, on fait ça aussi. La capacité. Voilà, comme ça, on a un bon sniper qui va bien être utile sur les boss. Voilà. Voilà, il est au maximum. On est bien, là, on a tout mis au maximum. Et puis maintenant, voilà, on peut se faire, par exemple, des mines. Si on a besoin. Et des grenades. Finalement, il nous donne énormément d'argent quand même. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Et puis on se prend... Non, on garde les 9000. Hein. Attendez, il nous vend... Ah merde, il vendait d'autres trucs. Lunettes grossissantes. Élément pour un fusil. Oh là là, on s'est fait baiser, Nictaras. La poignée ergonomique, oh là là, on a tout loupé. Savoir si... Oui, il était compatible, je crois. Bon, ça sera pour une prochaine fois. On peut pas tout avoir. Bon, de toute façon, on est bien, là. Alors, par contre, du coup, maintenant qu'on a la clé, là, maintenant qu'on est là, la clé en fer forgé, on sait pas ce que c'est. On a un crochet. Moi, je propose qu'on aille vite fait à l'église, là. En plus, il y a un puits. Hein, on se fait ça vite fait. À chaque session, on se fait un petit détour. En plus, là, il y a un petit puits que t'aimes bien. C'est celui qui a le... Ah, c'est vrai que c'est fermé, maintenant. Ah non, c'est ouvert. On se fait une petite poule. Voilà, comme ça, juste pour dire bonjour. Bon, elle a pas voulu nous donner, si. Et l'autre, elle a eu peur. C'est curieux. N'aie pas peur. N'aie pas peur, petite poule. N'aie pas peur, la petite poule. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On te veut à peine de mal. Est-ce que c'est toujours marqué qu'il y a de la volaille? Non, voilà. Maintenant qu'on a tué toutes les poules, ça nous met que la volaille n'est plus disponible. Tu te souviens où il était ton puits? Ah, il était là ton petit puits que t'aimes bien, Nictaras. Hein? Il était là ton petit puits, hein? J'arrête de parler comme ça, sinon les gens vont croire que je suis un maniaque. On est un animal. Ah, oh, animal en bois, une tête. D'accord. Putain, ça, on l'avait jamais pris. Hein. Ça rouille, c'est voir moulu. Eh oui. Et là, on n'est jamais venu ici. Regardez-moi ça. Le jeu nous réserve bien des surprises. Regardez ça, on n'est jamais venu là. Une vivianite. Est-ce qu'on t'a déjà offert une vivianite, une tarasse? Jamais. Un ours en peluche. Ça, on a dû t'en offrir. Et des sous. Et de la poudre. On n'était jamais venu ici. Bon. Eh ben très bien. Ah, le jeu est quand même... Eh, pourtant, c'était dès le début du jeu, regarde. On n'a jamais vu hein, ça. Bon, j'avais dit qu'on retournait vite fait à l'église. De quoi? Non, on n'a pas le temps, les enfants. On n'a pas le temps avec vos bêtises. Nous, on va à l'église. Oula, bah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regarde-moi ça.
Regardez-moi ça. Il y a eu quelqu'un qui est venu travailler là. Date de l'opération 9-2-2021, 11h35. Arrivé sur les lieux, aucun signe de EW. C'est Ethan Water, c'est moi. Hein. Et RW, c'est Rose. Il y a des gens qui nous cherchent, Nick Taras. À midi 10, infiltration du village. Affrontement avec plusieurs armes biologiques. Découverte de preuves de la présence de, bah, de Ethan Walter. C'est moi. Rose Walter est introuvable. Bah, je sais, elle est dans des bocaux. 13h10, base établie dans l'église. D'accord, mais vous êtes... C'est Chris Redfield. Plan opérationnel. LBTDK9. Fouiller le laboratoire. NHUE. Analyser les échantillons de moisissure. Alpha. Infiltrer l'usine. C'est l'équipe Wanadu. Voilà. Bon, bah, on a bien fait de retourner à l'église. Ça nous a permis de voir un petit peu de l'or. Ah, mais en fait, c'était la machine. J'ai cru que c'était une... Oh, je suis pas fou, j'avais bien vu qu'il y avait un petit truc à déverrouiller là. Non, bah il y a un puits, allez, on se fait le puits. Nick Taras adore les puits. Je suis désolé, c'est pas pour moi, c'est pour Nick Taras que je fais ça là. Il est très fan des puits avec un petit toit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez hop, le volant. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir une tête de chevreuil en bois. On a un collier incomplet. D'accord. Par contre, maintenant qu'on sait qu'on peut tuer tous les animaux, évidemment. Petit. N'aie pas peur. N'aie pas peur, on t'a dit. Il a eu peur, lui, j'ai l'impression. Je crois qu'il a senti le coup, là. Je crois qu'il a compris un petit peu ce qu'on lui voulait. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. C'est juste quelque chose que je voudrais te dire en secret. Voilà. Ok. Est-ce que c'est bon? On a eu toute la volaille. Bon, bah là, c'est toujours pareil. Hein. On ressortira de par là à un moment donné dans le jeu. Hein. Bon, on va pas s'amuser à tout refaire. On fera ça petit à petit, comme ça, voilà. Hein? Allez, on continue l'aventure. Petit à petit, de temps en temps, on reviendra un petit peu plus dans le village. Là, par exemple, si on veut se faire une mine. Moi, je veux me faire une mine, par exemple. C'est bon, je m'en suis fait une. Merde. Ok. Je perds un peu mes moyens, de temps en temps. N'ayez pas peur. Je vais équiper. Oh, mais voilà, mais ça en a tué qu'un. Bon, au moins, on sait comment ça fonctionne. Bon, au moins, on sait comment ça fonctionne, les mines. On n'a pas ramassé le... Il a rien looté l'autre. Bon. Un petit peu déçu là, sur ce coup là. Et l'oiseau bleu. T'es prêt, Nick Taras? Et voilà. C'est un peu salaud, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est pas moi qui ai fait les règles. Hein. C'est pas moi qui ai fait les règles. Un juteux gibier, évidemment. Alors, comment s'est passée ta journée, hein, Nick Taras? Parce que là, tu m'as l'air bien fatigué. Je te connais. Je commence à te connaître dans tes mots, dans tes écrits. Welcome, Ethan. Allez, la cuisine. Ah merde, j'aurais peut-être dû. Carry on. Je regarde un petit peu tout. Bon, bah voilà, il nous manque des choses. Hein. C'est normal, on n'a pas été tuer tous les animaux. Mais bon. On peut peut-être revendre quelque chose. La vivanite. Le collier incomplet.
L'ours en peluche. Ça va nous faire assez de sous pour nous acheter. Pour nous acheter un truc pour le flingue. Alors, on fait bien attention. Hein. Poignée ergonomique, ça c'est pour mon flingue. Hein. Je sais que c'est un M19. Demain, alors, bah écoute, balade dans les bois cet après-midi. C'est vrai que je t'ai posé une question, alors faut peut-être que je lise la réponse. Bon, au moins que je fasse semblant de m'intéresser. Ciel bleu et une vingtaine de degrés, très bien. 20 degrés, c'est bien ça quand on marche, hein, j'imagine. Après, il fait trop chaud. Je suis pas expert, mais j'imagine. Demain, je repars en montagne, sous la faute probablement. Bah oui, c'est vrai que tu dois regarder la météo. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? La crosse améliorée, ça on l'a pas le tac. Hein. Ça c'est pour le fusil F2. Une lunette grossissante, on n'a pas besoin. On va plutôt prendre pour le M19. C'est un élément pour une arme de poing, réduit grandement le recul. Et ça, c'est pour le F2. Élément pour un fusil sniper, réduit les tremblements lors de la visée. C'est pas mal quand même. J'ai envie de prendre ça, moi. Allez, hop. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de tremblement quand on vise avec le... C'est tout con. C'est tout con, mais quand on est face au boss et qu'on zoom, regardez, c'est quand même drôlement confort, comme on dit. Hein? Mais c'est pas mal. Léa débarque dans le coin dans 15 jours. Ouais, c'est cool, ça, pour vous. On va faire des shoots des paysages pour son futur vidéoclip. Bah très bien, je savais pas ça. On va essayer de faire des photos pour mon business aussi. Donc je fais du repérage. Ah c'est cool. C'est cool. Mais son Instagram est vraiment très très bien. Moi j'ai mon photographe qui me répond toujours pas. Mais j'ai hâte de pouvoir lui envoyer les photos pour qu'elle puisse me refaire des retouches. La clé du luthier. La clé qui ouvre la maison du luthier dans la partie ouest du village. Ah, on pourrait faire ça. Et là, sinon, on peut ouvrir. Ah oui, non, elle bosse même très très bien. Qu'est-ce qu'on fait avant... Ah, regarde, ça fait 1h29. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis tenté d'aller faire la clé du luthier. Mais même ces photos live sont mortelles. Oui, j'ai trouvé, je trouve aussi. Hein. J'ai un super portrait de Gal dans le salon. Je crois qu'il c'est Gal. Ah, c'est le chanteur de... je sais plus le nom du groupe. Oula, 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 oula. Oh putain. Ouais, ok. Bon, ça l'a calmé ça ou pas? Mais non, on va lire ça après. Hein. Il s'est barré? Oh, bah dis. Ah, le jeu sait surprendre hein, quand il faut. Hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Allez, mes blessures sont graves, j'en ai plus pour longtemps. Je peux l'entendre rôder dehors. Bah oui, on vient de le voir. Il a à peine bronché quand je lui ai tiré dessus. J'ai l'impression qu'il joue avec moi. Cette chose n'est pas un loup ordinaire. Merde, j'y étais presque. Si seulement j'avais atteint la cabane du moulin à eau, j'aurais pu tuer cette chose avec l'arme qui s'y trouve. Ok. Alors, faut qu'on aille à la cabane du moulin à eau. Mon Dieu, j'ai tellement froid. Mes jambes ne répondent plus. Pardonne-moi, Louisia. Pourquoi pardonne-moi Louisia? C'est qui par rapport à Louisia, lui? Nous, on connaissait Louisia. Ah bon? Ah, mais c'est son mari! Non, c'est son mari. Voilà. Oui, t'as raison. Son bonhomme qui était parti chercher à bouffer, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Bon, là, il y a une échelle. Hein. Toi, tu l'avais pas vu, mais moi... Non, c'est ça, c'est son mec qui était parti et puis... Finalement, il était là. Attends. Oula. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée qu'il faut avoir une autre arme.
J'ai l'impression qu'il faut avoir une autre arme, mais je vais quand même tenter la mine. C'est bon, je l'ai eu là. Ah, c'est bon. On a bien joué. C'est du bien joué. Ça vous plaît? On n'a pas eu besoin de l'arme. C'est moi qui l'ai fait. Qui était affrété à sa mort. Si on peut dire ça comme ça. Par contre, je remonte vite fait. Juste pour par souci de... Par acquis de conscience. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à looter hein, sur le toit. Ou alors un petit collectif, quelque chose, hein, c'est sûr. Ah, on voit tout le village. Hein. Bon, c'est un petit peu moins détaillé, hein, quand même. Rien du tout, là. Non, non, rien du tout. Moi, je suis d'avis qu'on se laisse cette partie-là pour demain, quand tout le monde sera là, quand on sera en forme. Moi, j'ai envie de juste... Là ça fait quoi? Ça fait 1h33. T'as juste le paysage qui est pas mal. J'ai envie de revenir et juste faire pour cette fin de VOD, juste de faire la petite baraque du luthier. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Nictaras? Regarde. On a la clé du luthier. La clé qui ouvre la maison du luthier dans la partie ouest du village. Hein? Dans la partie ouest. Ça serait pas ça? Porte mécanique. Partie est, pardon. Partie ouest. Allez, ça doit être ici. Hein. La clé du luthier, le luthier. Allez. Ça sera la mission luthier. On est d'accord qu'on peut, on peut jamais repasser par là. Hein. Faut toujours faire le tour. Hein. Ouais, voilà, c'est... C'est condamné. Comme disent les jeunes. C'est un vrai labyrinthe hein, quand même. Hein. Hein, j'aurais pas dire. Parce qu'on croit toujours, on croit qu'on est bien, puis en fait on n'est pas. En fait non quoi. Là par exemple on est dans la petite maison bleue. Oh, c'est ça. Il faut qu'on passe sous le... J'ai toujours du bol, hein. J'ai toujours un bol fou. Je retourne mon chemin, alors je me demande comment. Alors c'est la deuxième fois... Je parle beaucoup, hein. Vous me dites si je parle trop, hein, je parlerai plus vite. C'est la deuxième fois que je me rends compte que quand il y a un truc à suivre, il y a un tuyau jaune. Là, il y a un tuyau jaune pour passer dessous. Et le tuyau jaune aussi, il y en avait un sur le toit quand on pouvait passer par le trou. Des petites indications visuelles. Là, je viens de me rendre compte. Donc là, on est dans la partie ouest. Bon, bah voilà. Le luthier, c'est par ici. Hein. Ah, il y a un tuyau bleu, là. Bon, je vais pas me le mettre dans le cul. J'ai envie d'être vulgaire. Ah, oh, ça va. Je peux être vulgaire. Il est tard. Les enfants sont couchés. Si les enfants sont pas couchés... Vous le savez. Vous allez les coucher, vous revenez me rejoindre sur le stream. Oh, hey, enculé, pardon, mais... Enculé. Pardon, mais... C'est quoi ce cochon? On n'a jamais vu ça. Voilà, reste poli, bordel. Bordel de merde, là. Non, pardon. Vous avez vu ça là, ce cochon? Il porte bien son petit nom. Le petit cochon là, il m'a foncé dessus. Alors que je lui voulais aucun mal. Je lui voulais aucun mal. C'est un jeu, c'est terrible. On part faire quelque chose, c'est comme Skyrim, hein, t'as vu? On part faire quelque chose et on se retrouve à faire complètement autre chose à l'autre bout de la map. Allez, on a retrouvé un crochet, c'est sympathique. Bon, la petite maison du luthier. Hein, ce serait pas celle-là quand même? Ou celle-là? En face de nous, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Je me repère mal en fait. Hein. Là, on est dans une maison rouge. Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas ramassé. Bon. Écoute, hein, moi je vais pas chercher Milan. Hein. Je vois rien. Bon, le luthier là. Ta maison, elle est là. Au début du jeu, il y avait quelque chose. Je me souviens. Il disait qu'il y avait un petit tiroir qu'on pouvait ouvrir. C'était ici. Là, on est vraiment au début du jeu. Hein. Là, voilà, c'est en face de moi. Et voilà. Alors là, on va utiliser... On a bien fait d'acheter la grande valise. Alors, qu'as-tu donc dans ton panier ? Petit tiroir. Des fusils sniper. Parfait. Ok, donc là, normalement, c'est bleu. Voilà, c'est bleu. Donc la maison de luthier, c'est ça. Elle est... Il y a le puits. On arrête... Il y a un chat ? Vous avez T'as entendu un chat, là, aussi ? Donc là, il y a le puits. C'est cette maison-là. On est dans la partie ouest, là. Ah, ça serait peut-être plus loin? Non, c'est ça, c'est la maison du luthier, là. Ah, on l'avait déjà fait, ça. Alors par contre, je comprends pas. Hein. Ah, il y a une caisse là, en hauteur. Je l'ai vu. Mais comment on monte? Ah, je suis malin. Et maintenant c'est bleu. Et voilà, maintenant c'est bleu. Bon, mais c'était pas la maison du luthier. Alors ça serait ça? Ça serait dans la maison du luthier, hein, regarde. Il y a un coffre. C'est ça le trésor. Ça me paraît évident maintenant. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Bien sûr, c'est une clé qui ouvre une maison où il y a un trésor. J'aurais dû y penser dès le départ. Bon, je reste avec le shotgun. Je ne sais pas pourquoi, maintenant qu'on a la clé, je pense bien qu'il va y avoir un petit ennemi. Eh oui, regarde. Cadenas. C'est ça. Allez. C'est ça. J'aurais dû mieux regarder la map. Mais bon, petit à petit, on apprend à s'en servir. En plus, on aurait pu le faire depuis longtemps, ça, d'ouvrir cette porte. Elle s'ouvrait juste avec le coutelas. Alors, encore un petit crochet. C'est la maison du luthier, ça. Eh oui, si c'est pas la maison du luthier, bordel. Qu'est-ce qui est écrit? En raison de la longue absence du luthier, c'est moi qui garde la clé de sa maison. N'hésitez pas à venir me voir en cas de besoin. Joseph Simon, jardinier de Beneviento. Bon allez, on est venu te voir déjà. Y a pas grand PNJ dans cette ville, oui, mais j'aime bien. Mais tu vas voir, y en aura d'autres, c'est sûr. Happy birthday, 27/9/2017. Après on note toutes les dates. Hein. Eh ben c'est drôlement bien agencé, ça doit être bien humide chez lui. Hein. Ouais, c'est un luthier. Bon, j'espère que le trésor en vaut la peine. Euh, 27/9/2017? Hein, c'est ça? 27 9
2017, hein. C'est ça. Alors déjà, on a le Razvlug d'acier. Voilà, depuis le temps que je voulais l'avoir. Et on a le chargeur grande capacité. Ben voilà. Eh ben oui. Il est où? Chargeur grande capacité, fusil F2, augmente grandement la capacité. On fait modifier l'arme et on le met. Et ben voilà. Bon, ben on n'aura pas perdu notre temps. Razvlug, connais-tu la mythologie scandinave? Je connais la mythologie scandinave, mais celui-ci me dit rien. Voilà, pas te mentir. C'est bon, ben on a eu le, on a eu ce qu'on était venu chercher. Et un petit bonus. Et voilà, 390 balles. Bon, bah, voilà, c'était sympathique. Moi, j'aime bien. On se croirait dans Skyrim, là. Les petits trucs annexes. Alors, son nom signifie la valeur de cadavre. Ah, mais oui, je vois bien sa représentation, par contre. Le géant... Mais il s'appelle pas aussi Ymir? Non, c'est peut-être pas le même, hein. Les ailes de ce géant à forme d'aigle étaient tellement grandes qu'elles produisaient un vent glacial. Ah non, mais non, c'est pas du tout Ymir. Qu'elles produisaient un vent glacial, Eldegard, qui soufflait sur le monde des morts. Pardon, putain, j'ai du mal à lire. Qui soufflait alors sur le monde des morts. Autant pour moi. Très bien. Merci à toi. Non, ce nom-là ne m'était pas resté, celui-là. Bah, parce qu'il est déjà, il est pas facile à souvenir. Ah putain, on a trouvé le corps et on avait la tête. Ouais, trop tard. C'est pas grave. On avait le corps. Là, on a le corps et puis on... Mais on a vendu la tête. Bon, normalement, si on est... Tiens, en face... Si on n'est pas trop con. Là on peut ouvrir ça. Voilà, si on n'est pas trop con, bah oui, c'est vrai qu'on on peut repasser. Là c'est fermé. Hein. Allez, je vais sauvegarder. C'était le pseudo de mon pote dans mon ancien groupe. Bon bah très bien. Je ne savais point, écoute Nictara. Je ne peux pas tout savoir. Hein. Ah, t'allais partir. Bon, bah. Eh ben écoute, on va se laisser ici, hein, sur ce beau panorama. Et puis je vais passer en main cam. Ben, merci à toi de m'avoir accompagné, hein, pendant cette 1h45. C'était sympathique. Et puis bah, si demain tu es là, on passera aux choses sérieuses avec déjà le troisième donjon. Donc le jeu va pas être si long que ça finalement, hein. T'as vu là, le deuxième donjon, c'était quand même juste une petite maison fantôme. Mais à la limite, je préfère parce que c'était bien plus efficace. Mais écoute, je te remercie d'avoir été là. Je remercie les viewers. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à liker, laisser un pouce bleu. Mais mettez-moi plein de commentaires. Marquez que vous m'aimez. J'ai besoin d'amour, moi, en ce moment. Voilà, je préfère vous le dire. Je préfère être franc. Allez, je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Nictara, je te souhaite une excellente nuit. Allez, à demain. Tchuss.